Osmo's guest, the chefs. Guest one of five, Christopher Hash. Head of Les Ambassadeurs, in-house restaurant of the Hotel Crillon in Paris since 2010, it took young chef Christopher Hash just a year to reach a Michelin star. A careful craftsman, he follows a family tradition of restaurateurs and knows that hard work, technical skills, and dedication are the key. He trained with renowned chefs such as Eric Prifard at the Élysée du Vernet and Frédéric Robert at La Grande Cascade. He describes his cuisine as accessible, with dishes composed of just three or four flavors. His cuisine should magically transform ingredients because, like the perfumer's raw materials, these are the heart of his inspiration. It is clear to him that culinary and olfactory creation run parallel. Ça me paraît logique d'avoir ce parallèle entre un parfumeur et un cuisinier parce que on cherche, les deux cherchent à faire une composition. On a plein de produits et on va jouer avec ces produits. On va essayer de le sublimer, rajouter un petit peu d'essence aussi. On va des herbes, une petite herbe fraîche au moment, pour avoir aussi une alchimie et quelque chose qui va envoûter, qui va plaire, tant dans la partie olfactive que la partie gustative. Mon plat phare qui est le foie gras cuit en cocotte luttée. Donc il y a toutes les saveurs qui vont rester dans cette cocotte. On coupe la cocotte et on vient faire sentir l'odeur, parce que là, il y a quelque chose qui se dégage. Il y a tout qu'à cuire ensemble. Il y a vraiment une odeur très agréable. Which sense do you like more than any other? C'est vrai que quand on se balade, par exemple, en Provence et qu'on est dans des champs de lavande, ça, c'est quelque chose qui est envoûtant. Moi, ça me plaît énormément. One aspect brings the art of perfume and the art of cuisine even closer. Could you tell us what it is? Quand je crée une recette, il y a ce qu'on appelle, nous, des essais. Ça va être un peu comme le parfumeur qui va essayer de trouver le juste équilibre. En cuisine, c'est pareil. On a des températures très précises, des cuissons, des goûts. C'est pareil, c'est un équilibre. Un plat, c'est des fois, on peut arriver à trouver le juste équilibre au bout de la deuxième fois, très rapidement, parce que c'est peut-être quelque chose que j'ai beaucoup pensé. Et puis des fois, 10, 15, on recommence. Un plat bien conçu, c'est quelque chose qui va nous marquer. C'est comme un parfum.